Alors, messieurs, je vous emmène aujourd'hui à Monaco, sur le Rocher. On en a un petit peu parlé, c'est l'équipe à l'honneur du jour, on va dire. Et je vais vous demander de me trouver les 20 plus grosses ventes de l'AS Monaco. Les 20 plus grosses ventes de l'AS Monaco. Juste avant que tu commences le tour, il y a une limite dans le temps, depuis toujours. Mbappé. Toujours. Mbappé. Alors, on va faire dans l'ordre, si vous voulez bien. Cochimon, vous démarrez. Je dirais Mbappé. Oh, l'enfoiré. Dinosaurus, à vous. Moi, je pensais à Mbappé. Derrière, T'en as une tonne. Bernardo Silva. Ben, c'est bon. Totem. Moi, je pensais à Tolisso, non? Pas loin, mais c'était Lyon. Donc, ça compte pas. Allez-y, locaux. Oui, Thomas Lemar. Thomas Ah, Lemar, ouais, c'est il a bon. pris le mien. Mais pas mal, pas mal. On repasse au coach Simon. J'ai envie de dire. Putain, il m'a pris Thomas Lemar second. Pensez à la belle équipe championne de France. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai, il y a tellement de joueurs justement qui sont partis. Ah, il n'y a pas Benjamin Ah, il y Mendy. a Bakayoko. Alors, Bakayoko, c'est bon. J'ai entendu autre chose aussi. Benjamin Mendy, non? Benjamin Mendy, c'est bon. Bravo. Martial. Martial, c'est bon. T'es un Martial à l'ancienne. J'adore parce qu'à chaque fois, je dis, on va respecter un ordre et à la fin, c'est l'anarchie. Mais c'est comme ça qu'on nous aime. Ah, il y a aussi... Il y a James Rodriguez. James Rodriguez, c'est bien. Rames. Ah, il y a... Comment il s'appelle? Il y a Drogba. Non, Non, c'est quoi? c'était Marseille. Non, mais par contre, moi j'ai un doute. Est-ce qu'il n'y a pas... comment il s'appelle Morientes. Non, Ah, il était prêté, Morientes, il était ouais, prêté. exactement. Il doit y avoir Carrasco. Carrasco, c'est bon. Ah oui, Carrasco, bien vu. Bien vu, 25 Carrasco. millions d'euros à l'Atlético. Ah oui, bien vu ça. Alors, vous m'avez donné Mbappé, Silva, Lemar, Bakayoko, Martial, Mendy, Kurzawa. Rodriguez. Kurzawa au PSG. C'est ça? Kurzawa au PSG. Kurzawa, c'est bon. Kurzawa, c'est bon. Kurzawa, bien vu. Pour Bravo. exactement 25 millions d'euros. Et Il n'y a aucun. pas Tielemans? Tchelman, c'est bon. Pour Leicester, 45 millions d'euros. C'est C'est ça, bon. il avait bien revendu alors qu'il n'était Ah pas ouais, il avait bon. bien vendu, ouais. Et Abdennour? Abdennour, c'est bon. 22 millions d'euros. Ouais. Sérieux? Attends, ils l'ont vendu à qui, Bah, 22 ils l'ont euros? vendu, ouais. À Valence. Ouais, exact, exact. Bah, tu m'étonnes que les clubs y sont endettés après. Ouais, c'est sûr. Ils achètent des Abdennour 22 millions. D'ailleurs, pour le coup, je pense dire une bêtise, Papito, mais confirmez-moi, si Dibé, ils l'ont mal vendu. Dibé n'est pas vendu, coach, quand même. Non, mais après, il Ouais. n'était pas vendu, puis reprêté. Non, il est. Sidibé, non, il joue toujours à Monaco. Oui, mais quand il est parti en Angleterre. Non, il a été prêté. Ouais, ok. Salut Il y a Despilgo! Fabinho. Fabinho, c'est bon. Fabinho, Ah, c'est c'est bon. Fabinho. Et on a dit Alors, Martial ou juste, pas? on rappelle pour ceux qui arrivent, salut Deskimpo, bienvenue à toi. Alors, le totem d'eau dans la bouche. juste, on a le quiz de Papito, la fameuse classique. Papito, qu'est-ce que c'est? C'est les 20 plus grosses ventes de l'AS Monaco. Et Alors, on est à combien là? on est Oh, à Père-Ours! Oh, Père Père-Ours! Ours. Les amis, vous arrivez après qu'on ait parlé de Bordeaux. On Ça arrive à la fin. a vraiment eu de la peine pour vous, nos amis bordelais. Ça va, ça va. Allez, les gars, vous allez voir le replay, j'espère, hein. Ouais, regardez-le, regardez-le. Il a suivi dans l'ombre. Bien sûr, ça Il n'a n'a pas pas popé, c'est vrai, popé. c'est vrai, c'est juste pas le problème. Alors, juste, oui, c'est vrai, franchement, il y a de quoi pleurer avec Bordeaux. Juste, Papito, on est dans un quiz incroyable. On est dans un quiz au niveau, justement, monégasque. Les 20 plus belles ventes de Monaco, on est à combien de Il y a joueurs 12 trouvés? bonnes réponses. Alors, pour rappel, on a dit Mbappé, Silva, Lemar, Bakayoko, Martial, Mendy, Rodriguez, Carrasco, Kurzawa, Tielemans, Abdennour, Fabinho. Il vous en reste 8 à trouver, messieurs. Alors, il en reste Moi, 8, j'ai c'est envie de beaucoup. tenter Thierry Henry. Alors, c'est beaucoup, 8. Henry, c'est pas bon. Thierry Henry, c'est pas bon. Est-ce que Sidibé, c'est bon? Ah, Est-ce que Germain! un Germain? Germain, c'est pas bon. Et Germain. Rodriguez, on l'a dit, Rodriguez, mais pas Est-ce Rodriguez. que Manu, chef Papito, est-ce qu'on en a encore des récents ou il faut aller un peu plus loin dans la Ouais, mémoire? c'est tous des récents, sauf deux même, pardon. Sauf deux. Est-ce qu'il y a Sidibé ou pas du tout? Non, Sidibé déjà dit, c'est pas bon. Il On suit l'a pas dit Sidibé. Rodriguez Rodriguez ou pas?
Rodriguez, c'est bon, oui, on l'a dit, Rodriguez. Papito, est-ce que dans les anciens, il n'y a pas Trezeguet? Non, c'est plus. Patrice Evra, c'est pas bête. Non, Patrice Evra, c'est pas bon. Fabinho, il l'a trouvé. Bravo. Ah, Fabinho, il a dit. Il a Fabinho, dit. Je l'ai dit déjà. Fabinho, on l'a dit. Et je tente, mais j'y crois pas. Falcao, non, ça n'a pas été. Non, il a été vendu quasiment gratuitement. Il n'y aurait pas Ronny Lopez. Ronny Lopez, oui. C'est bon, bonne réponse. Bravo, Dinosaurus. Il en reste 7, messieurs. C'est sûr qu'il n'y a pas Trezeguet, parce qu'il a été vendu à la Juve, lui, direct, ouais. Non ? Ouais, mais il n'est pas dans les 30, Trezeguet. Il n'est même pas dans les 30. Pensez à un autre bon joueur d'une belle épopée monégasque très récemment. Récemment. Il a dit Juli et Deschimpo, c'est vrai, ça, c'est pas mal. Roten. Roten, c'est pas bon. Non. Non, mais Juli, c'est pas mal. C'était pas mal, ça. Non, Juli, c'est pas bon. C'est pas bon ? Non. Ah, Zikos. Chabaninonda. Bakayoko, on a dit. Pensez à une belle épopée. Non, mais quand ils vont monter trop loin. Mais alors ça me perturbe, moi, le chat. J'arrive pas à réfléchir, les copains. Attends, on va passer en mode prêté, quiz. Les gars. Et après, on va revoir le chat. Alors, n'hésitez pas à trouver dans le chat. Allez-y. Alors, nous… Pensez, pour le plus ancien, la plus ancienne grosse vente, pensez à un grand attaquant qui est passé par Monaco. Un attaquant africain. C'est pas un Geoffrey, un truc comme ça, non? Non. Dinosaurus doit le connaître. Ah, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu Dinosaurus. Kondogbia, mais au milieu. Il m'a fait penser à dire Geoffrey. Bah, c'est un Geoffrey. Non, Kondogbia, c'est bon. Bah voilà. C'est alors, c'est bon. on nous demande. C'est quoi, Adebayor. Adebayor, c'est bon. Magnifique, Arsenal. Magnifique, les amis. Ah oui. Alors juste, on nous demande la question. Est-ce que vous pouvez répéter, Papito? Bravo à Dinosaurus qui est très fort. Oui. Vous voulez quoi, coach? Répétez la question, répétez le quiz. Ah, le quiz, c'est les 20 plus grosses ventes de l'AS Monaco. Et nous sommes déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bonnes réponses. Il nous manque 5 bonnes réponses. Ah ouais. Ouais. Et bravo encore à Dinosaurus qui a trouvé Adebayor. Il est en forme ce soir. Bah non, mais je l'ai dit. Alors, le total, taisez-vous. De toute façon, vous êtes à la plage. Alors, pensez à un joueur. Qui ressemble beaucoup au coach Simon. Un dribbleur. Djokovic. Ah, Jérémy Ménez. Jérémy Ménez pour 11 millions. Incroyable, Ménez, putain, incroyable. Ménez qui, celui-là, le présentateur? Ah non. il est trop fort, c'est dinosaure. C'est totem. Alors après, un peu plus compliqué, un joueur qui aujourd'hui qui était formé à Lyon. Hashtag MeToo. On a parlé de l'arbitre femme. Tu nous as raté. Arrête, s'il te plaît. Garde ton sérieux pour la fin de l'émission, s'il te plaît. Avant l'arrivée de Herbol et Pérours, le totem se tenait bien. Alors, s'il vous plaît. Alors, un peu de sérieux, Papito, reprenez votre chronique. C'est chaud, hein. Non, plus Flavio Romain, non, ça passe pas, Flavio Romain. Non, c'est vieux. Ouais, c'est vrai. Pensez à des récents, un mec qui a joué à Lyon et qui a quitté Monaco pour un club anglais récemment. Ça me parle. C'est un jeune. Il est arrivé de Lyon, un petit. Ouais, il était plutôt jeune à l'époque. Marcel, on a dit Arbol. Ouais, Marcel, on l'a dit. Il a signé après Monaco à Leicester. Bon, Monaco à Leicester. Leicester, il y a un joueur comme ça. À part Tillmans, je vois pas justement. Écoutez, messieurs, aujourd'hui il joue. Ouais, vous êtes vraiment. Aujourd'hui il joue à Beşiktaş. Ah, ok, d'accord, il joue plus actuellement à Leicester. C'est l'Algérien. Comment il s'appelle? C'est pas un Algérien. Ghezal. Ghezal. Ah là, bravo Dinosaurus. Dinosaurus est en feu, franchement bravo. Bah, il triche. Bah, frappe. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu un match il y a pas longtemps, il a mis un but de fou. Ouais. Bravo, franchement Dinosaurus, c'est quelque chose ce soir. Pas dans l'équipe algérienne. Alors juste, Papito, reprenez. Alors il nous en manque 3. Ghezal, 11 millions, Père Ours. 11 millions. Ah, 11 millions, pas mal. Incroyable. Il nous manque un attaquant, notamment un attaquant monégasque. Quelle année? La belle année du titre. Il était là, la belle année du titre. La belle année du titre. Et pourtant, c'est pas le plus connu.
Parce qu'on a dit Germain. Ouais. Il n'y avait pas que Germain. Ah, je sais. Ah, attendez, celui-là, peut-être je l'ai. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas Guido Carrillo? Il y a Guido Carrillo pour 22 millions d'euros à Saint-Sauveur. C'est incroyable. Alors, celui-là, il le sort de sa poche. Attends, ils m'ont vendu Guido. Ils l'ont vendu à Southampton, non? 22 millions. Je comprends pourquoi les clubs anglais sont ruinés. Voilà, voilà, ça explique tout. Les mecs achètent des Abdenour en 22 millions, c'est n'importe quoi. Alors, allez-y, Papito, continuez. Il vous en manque deux, un arrière. Oh là, alors lui, il n'est pas resté très longtemps, mais bon, ils l'ont vendu quand même, ils l'ont très bien vendu. Un arrière hollandais qui a fini. Ah, Glick en... Non, il est polonais, Glick, merde. Non. Un arrière hollandais qui est arrivé de Feyenoord, je crois, et qui a filé à filé en Angleterre. Je l'ai. Oui. Ah. Il s'appelle Terence Kongolo. Ah, c'est bien trouvé. 22 millions d'euros. Ah, mais il est trop fort. Mais il est trop fort. Kongolo est hollandais. Ouais, Kongolo est hollandais. Ouais, ouais. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Bien joué, copain. Alors, je le connais même pas. Le dernier, j'ai envie de dire, le premier qui le trouve dans le chat, non? Ouais, allez. Pas. Je vais vous le faire trouver parce que le dernier n'est pas simple. Hein. Allez-y. Aidez-nous. Mais bon, il n'est pas facile, je vous l'avoue. C'est un joueur qui a été formé à Lille. Il est arrivé il y a 2-3 ans à Monaco. Voilà, l'air de rien. Il est resté qu'une saison à Monaco. Il a été prêté en Italie. Et aujourd'hui, il joue dans un très grand club italien. Ah ouais, il est même presque titulaire en ce moment. Presque. Un grand club italien. Il fait une belle paire avec un autre très bon joueur d'ailleurs. Quel il poste? A joué souvent à Monaco. Est-ce qu'on a le droit de demander le poste ou pas? Ouais, il est milieu de terrain. Box to box, on va dire. Box to box, à la récup. Alors, Chabani Nanda, tu remontes un peu loin. Girard, non. Et il joue en Italie, là? Il est français. Il est français, en plus. Ah, Benacer, non? Non, Benacer n'est pas passé par Monaco. Non. Pourquoi? Incroyable. Le bot a fait n'importe quoi. Incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. N'importe quoi, le bot. Il y a alors, deux ans, il était alors, à Monaco. Herbol, vas-y, Herbol, exprime-toi, parce que le bot fait n'importe quoi. Formé à Lille, il passe ensuite à Monaco. Je ne sais même pas s'il n'a pas fait une petite pige à Bordeaux entre-temps. Et après, il a filé en Italie. Et là, aujourd'hui, il joue dans un grand club italien. Dans l'un des clubs du Milan. Herbol qui dit Bosquilia, c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon du tout. Bosquilia est... Parce qu'il y a, il est reparti au Brésil pour rien du tout. Donc là, on a un milieu de terrain à trouver qui joue actuellement en Italie, qui est passé par Monaco. Ouais. Il a fait Bordeaux, Monaco. Alors, on se rapproche. J'entends qu'ici, on se rapproche, mais on n'y est pas encore. C'est un Français, du coup. Il est Français, ouais. Ouais. Attends, si tu me dis Flamini, je m'énerve. Je pense que vous avez oublié qu'il avait joué à Monaco. Je ne sais même pas si vous voyez son nom. Il joue à l'AC Milan. Il est passé par Monaco, Bordeaux. Je crois qu'il a fait une pige au Torino. Ah, mais c'est pas tu. Aujourd'hui, il joue à l'AC Milan. Chouameni. Ah, tu pas. Mais il est pas français, Maïté. Eh si. Soit il est au Maïté. Il est français. Incroyable. Ouais. Pour 12. Je n'aurais pas eu. Loco ce soir avec Dinosaurus, ils ont survolé le quiz. Je sens sur le nom Maïté. Il est nul. Moi je dis un grand bravo à Dinosaurus parce que Papito m'a aidé, mais bravo. Voilà. Ah, franchement, bravo. Toi aussi, bravo Dinosaurus. T'as sorti des mecs, je les avais, c'est même pas. Ah, j'avoue, il y avait des gars, pour le coup, on se rappelle même pas qu'ils sont passés par Monaco. Ouais. Non, mais par contre, ce qui est intéressant dans ce quiz, c'est que tu vois que c'est beaucoup de gars récents, quoi. Et tu te dis l'époque quand ils sont allés en finale contre Porto, c'est vraiment le football, c'était pas. Ça prouve ce qu'on disait un petit peu avant, que maintenant tu dépenses des millions d'euros assez facilement. Et après, c'est tu ça. Veux créer une super ligue et au final, c'est n'importe quoi. Avant, tu n'avais pas ce genre de transfert parce que c'était régulé quand même, un minimum. Complètement d'accord avec Dinosaurus. Enfin, Abdenour, 22 millions, moi je suis sûr. J'allais le dire, on peut dire bravo au Totem pour Abdenour. Bah, c'est un jeu de Totem, je crois. Non, parce que finalement,
comment il s'appelle, le youtubeur, le massacre tout le temps. Donc, Abdennour, voilà, quoi. Ça me revient. Bon, est-ce qu'on accepte de refaire encore une fois Bordeaux pour Pérours? on peut faire rapidement, les amis, si vous voulez. Hein, on peut faire très rapidement, hein, bah, ça me va. Hein. Nos fidèles lieutenants, c'est le décalage. Ah, moi, je voulais interroger le chat. Qu'est-ce qu'ils pensaient de l'avenir du club et, c'est ça. Est-ce qu'ils avaient des sources pour, ouais, qu'ils ont des infos, pour un repreneur? Je ne sais pas. Avec du Hayan. Est-ce que vous pensez que justement, le mec est en PLS, quoi. Non, mais pour être plus sérieux, Pérours, jusqu'où est ton inquiétude? Non, parce que nous, on voit le club descendre très, très bas. Ouais. Style Le Mans, style Bastia, repartir de très bas. Non, mais ils vont avoir l'immunité. Au bout d'un moment, je vais leur donner l'immunité. Ils vont repartir sur des bonnes bases. Il faut y croire. Il faut qu'un repreneur. Tu leur as donné le collier d'immunité? Il faut qu'ils trouvent. Non, il faut qu'ils le trouvent aussi. Mais il est sur l'île. Il faut qu'ils cherchent, les mecs. Il y a un mec qui va les racheter, c'est évident. Voilà. Incroyable. Il est incroyable. Ils ne peuvent pas descendre comme ça, les mecs. Ils ne peuvent pas. Ah oui, si, ils sont capables. Ils sont capables. Pérours nous indique qu'il y aurait des repreneurs qui seraient intéressés. Apparemment. Donc, mais il serait intéressé carrément pour régler la dette des 60 millions là, parce que il y a bien quelqu'un qui va les reprendre. Hervol, il a raison. Incroyable, Hervol. Il est incroyable. Bon, bah, messieurs, en tout cas, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur un super super beau live. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore pour Papito. Merci à vous tous. Rendez-vous dimanche soir. Je pense que voilà, on va pouvoir faire une super belle émission. Rendez-vous dimanche soir à 22h45. Et je vous dis un très, très grand merci, messieurs. Merci, les gars. Salut tout le monde. Salut, merci pour tout. Ouais, regardez, les gars. À dimanche soir, messieurs. On compte sur vous. Dimanche, Pérours. À dimanche, Deskimpo. On compte sur vous.